marché de Dolisie, construit dans le cadre des projets de la municipalisation accélérée, a été mis en service en 2011. Ce marché dispose de 1176 étals, dont 875 au rez-de-chaussée, destinés à l'alimentation, et 301 à l'étage, avec 5 secteurs de produits non salissants, tels que l'habillement, les produits de beauté, les chaussures, les plastiques et le secteur IFI désignant l'électroménager. En effet, les vendeurs du marché central au grand marché ont déserté depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus l'étage de ce joyau architectural qui a été vidé par bon nombre de ses occupants avec leurs marchandises. Côté na Zandia, le pouvoir fungula Zandia. Nous avons réalité à Zandia. Président Mututunga Zandia, en kevez zoba. En kevez zoba, en tunga Zandia, ça met vendre ma condition, bien met texte ma condition, il y a bien. Si on voulu noka, met le mouillé, va bien met le bébé. Si poussière va, va bien met le va poussière. Mais bon, mais zola ka gutexa na nganda. Population zola gutexa na nganda, sam na iki. Bat kot na kati, bat tekis na kati, nzo do gutexa na na marché moderne. Yan kwa ndia yan na bazani yan ketal ke, ya ka kulung na yan. Inga zo gutexa na kata na grand marché. Yan koti na kati. Zandu yake na ba inge commandé kiao. Ba réalité a zandu e bazabiao. Mais ben on poser ba question na ba, benzo na ba iki bazani ngoma kumaka. Ba côté ming, ba ka ketex na nganda, ba ka ketex na kati kwa. No, mukele ndi basi na nganda, ben nganda. Il y a suffisamment de place dans le marché, mais il y a un problème de clientèle qui se passe. Souvent pour ceux qui sont à l'étage, ça, il n'y a pas vraiment en tout cas une clientèle qui pourrait peut-être donner de la joie à tout le monde. À mon humble avis, je me dis, il faut d'abord demander à ces vendeurs de regagner l'intérieur du marché, de un, et d'avoir un bon meneur au marché central qui doit mettre de l'ordre et de la discipline. C'est la meilleure solution. Ils ont investi la rue de la façade, à même le sol, au motif qu'ils sont victimes de la concurrence déloyale des vendeurs des mêmes produits au rez-de-chaussée et aux alentours immédiats du dit marché. Cette situation crée un manque à gagner d'1 535 000 francs CFA par mois à la dite mairie au chapitre des droits de place recouverts sur les 301 tables à l'étage de ce marché. Le central de Dolisie, nous tous nous le déplorons. Parce que, au fait, c'est une très bonne infrastructure, mais malheureusement, qui n'est pas gérée par le Congolais, par le Dolisien. Vous l'avez constaté comme moi, que les tables du grand marché sont quasiment vides. Et les gens préfèrent vendre à même le sol. On en a tant parlé, c'est vrai qu'ils ont profité de la Covid-19, mais entre-temps, le comité du marché a pris certaines dispositions pour déguerpir ces gens-là qui les intègrent le marché. Mais jusque-là, ils sont restés récidives. Chaque occupant loue habituellement l'étal à 3500 francs par mois, conformément à la délibération adoptée et appliquée par la municipalité en la matière. Mais les étals, de nos jours, sont quasiment désertés et vidés. Zandu, il faut que le chef de Zandu, 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 mais, le chef de Zandu, va mettre le gano, il faut que tu aies chef à comité du marché. Parce que ni baou, que dirige Zandu, a force Zandu, mais comment? Baka Kenangan, Baka Kenangat. Mais non, il y a un coup de bac, babia, baou, nangan, bête ou quoi, baka baka si babia, mais bête ou quoi, baka le gavan de dame, ou ne zanouios, te place de ce canal, balabal. Donc, faut que tu aies là, le talent, l'Amérique, l'Amérique, la Katia, est bien bouée. Parce que vous êtes du mauvais gano.
que afoso belge diviser sans que non belge imposer na yo. Nombre de vendeurs occupent totalement les alentours, faisant ainsi obstruction à la circulation routière des personnes et de leurs biens. Ils y sont descendus parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les procédures utilisées par les autorités municipales, qui selon eux ont autorisé d'autres vendeurs de même variété de produits que ceux qui ont été officiellement affectés à l'étage de vendre aux alentours. Les tables sont vides. La personne vient pour faire ce qu'ils sont beaux à faire. Nous devons faire, c'est d'interpeller les autorités, qu'ils puissent connaître que non, le marché, c'est un marché moderne. C'est un bijou qu'on nous avait donné et nous devons respecter ce bijou-là. Et ce bijou-là doit être comme toi et moi. Nous devons respecter ce bijou-là. Comment faire pour respecter ce bijou? Mais pour respecter ce bijou-là, je demande aux autorités de prendre la mise en garde. Ce qui était en haut, qui sont devenus maintenant en bas, de le faire monter en haut. Ça n'engage parce que bête besoin de ma place la 4. Et puis dans la zone même il y a neuf dans la boisavi toujours entré à zone que vandaka na moi ba table. Bête vanda vrai paquet à wa le mira zone ba descendre ba katula nyos ba une vanda quoi ba bika bête. Maintenant il va prendre bête à que zola bête kota. Et ba que zola là ba zola bête kota. Mais maison bête na ba reno na ba bima a wana ba camion bête lende ko enve tam na kati bête que vous na ba place kun soit ba faut mettre ko na kati kun mais na kati kun la ba bim ka quiz bête que ba ko zwa ba bima wa faso bête treno ni na bête nyos ba bima ya na ba camion bête nyos ke tik sa ba bima ya boal wa pile ke ke sa a wa le camion ke na quiz ange ke na tala faso ba ba ken ba ke na disu na ngana camion me quiz wa me basique maintenant so me fidi so na kati kun bête que za ba faso camion. Il y avait raison que nous avons fait un gagne, mais bébé Cézanne. Pour déjà un bout bien, na kati bête petit André comme si papaï paï. Na kati bête même mangouvé, mais bas cela en plus mon imbi. Bas d'hiver, bas me tout là où, et bim bas d'hiver na zulu. Façon du papa, bois bois couloata, moi bas bim kidi kidi, bas me tout na zulu. Bon, bout bien qui bob exemple qui est fatigué. Il y a l'un de vous qui a fait courage à commenter na zulu. Na quoi ni soumis du papa, mais déjà entourage na ici à Wangeke tel bas ouarmé tout là bas ma papa. Bubu. Boy qui dit qu'on pêche un qui a une bague façon que non bon, vu que nous montons dans un étage, nous connaissons ce du papa ou bien sandal. Et toi qui n'as ici à Wakili, y a que bandit souka, ti coquilla, Kim Kevé. Mais moi qui manisa, bâti à la mairie, au droit de balayage, droit de table, 6 000. Bâti à balayage, bâti à droit de place que lutte 200. Bâti à balayage que lutte 50. Bon, ni on sina, y a que n'a surchargé, mais tu m'as père de famille, Bissel Kevé. Bissel Kevé n'a bois là, mais que c'est des briques qui n'y a pas. Donc, je vais faire vivre la famille. Vous voyez que monté dans Zulu. Je vais voir mon capital, parfois 100 000. Mais je vais te dire. Bon, moi qui me tout là, parfois, je vais quelque chose que nous fait du monde foutu. L'école est banne, je vais paquet. Mais dans Zulu, côté me monter, je vais te dire. Tu vois pas que non, je vais te dire que zéro. Face à l'entrée principale du marché moderne, moyennant 5 000 francs d'avance ou 15 000 francs, comme on doit annuel d'occupation du domaine public. On est tous conscients que nous occupons vraiment un domaine public, puisque le marché a été construit pour que toute personne soit dans le marché. Mais si nous venons ici, nous sommes vraiment très conscients que c'est un domaine public. En tout cas, on ne pouvait pas occuper un domaine public sans peut-être payer des droits. On est tous contents de payer les droits. La mairie, les dépôts, les gardiens qui sont avec nous, nous payons. Ce n'est pas d'une manière gratuite que nous sommes ici. Cette réaction va se passer par rapport à ce que nous venons de présenter. Que si les produits alimentaires pouvaient être en haut là-bas et les produits comme les plastiques et d'autres, les habits en bas, en tout cas ça là, on pourrait peut-être subir un changement. À mon avis, je le dis bien que la population, elle, c'est elle qui a décidé de venir vendre à même les sols. Sans autorisation. Bon, il n'y a pas d'autorisation, on va bien voir. Cette autorisation a généré un marché parallèle qui s'est agrandi à cette façade principale, réduisant la cadence des visiteurs et des acheteurs à l'étage. C'est parce que basala qui zande au et qui est à mon limote, basala zande au pour la bateau bateau qu'on a quatre cents de pour la bande à thé. Dans la monique baninga bakeli basala na résine vingt dix hours.
libanda malade zali libanda moye ezo pesa malade ezo baby sando tonga bon te ngala ko vana kana kache passe zando batongi biso ngo pona to vana na kache to teka yango na za awa pona ko teka. Est-ce que vraiment du temps en temps ozo ya bango ba client Le marché est bien construit, mais le marché, le problème que les gens n'ont pas de fidèles. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont ailleurs. Bon, parce que même le marché de en bas, maximum, tous ceux qui sont là-bas n'ont pas d'ici. Plusieurs quittent ailleurs pour venir nous gaspiller des marchés. Bon, moi, je suis ici depuis 2012. Bon, parfois, il y en a un peu, parfois, il n'y a même rien. Mais on supporte toujours de soutenir le marché pour que le marché aille. Sinon, si c'est le problème des gens là, beaucoup de gens qui sont en bas, ils n'ont pas dans cette marché. Mais pourquoi vous ne décidez pas de descendre comme bon, moi, je ne décide pas de descendre parce que pour installer ça là en bas, parfois il y a la pluie, parfois il y a le vent. Bon, je ne trouve pas ça normal. Donc, je préfère être ici. Comment ça y est, je me débrouille ici. Si maintenant j'ai fait, ça change. C'est toujours comme ça. Le marché de Dolizy, connu depuis des lustres, donne des avantages à ses occupants dans le placement des marchandises à leur état le soir après la vente. Connaît un relâchement sécuritaire grave avec le vol qui est désormais perpétré par les bandits de grand chemin, disons-le, les voleurs qui y rôdent chaque soir. Personnellement, je trouve que c'est un bon système parce que les vendeurs ne peuvent plus de temps en temps transporter la marchandise amenée dans leur maison. Et ce système-là, il est normal parce que je trouve qu'il y a des gardiens. Et tel qu'à Pointe-Noire, au fond Tiétier, les vendeurs ne prennent plus leurs marchandises pour amener dans leur maison. Ils gardent ça au marché, ils couvrent ça et le matin, ils viennent directement pour faire la vente. Bon, s'il y a le vol, donc là, il faut accuser les gardiens. Parce que je trouve anormal qu'un voleur d'ailleurs, alors que les gardiens sont là. Bon, lesquels peuvent voler si ce n'est pas les gardiens? S'il y a un système de gardiennage, on a vu d'abord la sécurité du marché pour placer ces gardiens-là. Et du coup, quand on constate qu'il y a le vol, personnellement, je ne peux accuser que les gardiens. Le système, il y a des gens qui dorment ici, il y a des gardiens ici qui surveillent les marchandises des gens. Comme ça passe ici la nuit, ils viennent encore et cassent les tables des gens pour voler les marchandises. C'était d'abord normal, mais ce moment-là, ça devient difficile pour garder encore les marchandises. C'est la sécurité, c'est les gens de sécurité là qui font des chiens là. C'est les gens de la sécurité, parce que c'est eux qui gardent ici la nuit. C'est eux qui restent ici avec des policiers, mais il y a des voleurs qui entrent. Comment? Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est leur jeu qu'ils font. Marché avec lequel il y a bien la route à la pointe qui est bien. Bon, problème est que Kaka va garder que Fiat. Babé, tu as vu ma façon de faire la carte à coffre ou à quoi garder la Fiat. Babé, ma bague la babé tout mink. La route la grand marché qui est nene. Mais ba garder la Kaka zolé. 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 Ba garder la Kaka grand marché ba garder la Kaka zolé. Sécurité est bien à Katia Zandoa ou bien ou à Ikelve. Beto Abi Makulaba n'a pas l'Ikulaba, Basak, Bavoka, Bakela Babeto, Bamakonde, Basak, Babanguba, Babim Mingawa, Bakela Babeto, Nakata Zandoa, Sam Naki, Bagarde Bakefiet. Alors, quel problème faut ajouter Bagardien, Nakata Zandoa? Donc, problème est qu'elle a Kenya Win. Quel état? Si ben nommé Fouta, l'état, Bakefout Bagardien. Bakefout Bagardien. Ben nommé Fouta Kalpina l'état. Beto Kefouta Bambo. Tu as table, tu as fait un billet correctement. Mais l'État a le droit de foutre un gardien. Mais quand l'État a fait un gardien, il y a un contrôle, il y a un avocat, un régime, un Makonde, un Banguba, il y a un
Comité du marché vient seulement avec un cahier pour regarder là où on a volé, c'est tout. Juste le constat. C'est ça. Il n'y a pas de vidéo. Non, il n'y a rien. Donc celui qu'on a volé, personne. Personne de marchandise. Il est là devant vous. Les animateurs du marché ne font pas convenablement leur boulot. C'est une responsabilité qui incombe au directeur du marché. Après le vol, les gens se plaignent. Mais lorsqu'ils se plaignent, c'est à la mairie de régler ce problème. La mairie n'a jamais réglé. Mais la mairie va régler comment? C'est difficile. Moi, je dis que ça n'a jamais trouvé de solution. Cette situation qui s'ajoute au nombre de maux que connaît ce marché laisse dubitatif beaucoup de vendeurs qui demandent le renforcement de l'appareil sécuritaire amoindri de nos jours. Regardez un grand marché comme le marché central de Tbilissi. Deux gardiens. Est-ce que le maire est censé le tout connaître? Non, c'est vous qui êtes l'animateur du marché. C'est vous qui connaissez tous les compartiments du marché. La situation. C'est vous qui devrez faire la demande. Par rapport, vraiment, il y a trop de vol au marché central. Nous n'avons que deux gardiens la journée, deux gardiens la nuit. C'est insignifiant. Et le maire, avec son staff, regardera quelle est la solution apportée à ce point-là. Mais quand vous ne le faites pas, le vol est perpétré. Mais ce n'est pas la faute du maire. C'est vrai, il y a eu cette affaire de la loi gouvernementale qui demandait la suppression, la diminution des prestataires. Donc la mairie était obligée de remercier certains et garder seulement le minimum. Mais au moins que cela ne tienne. Il faut regarder d'abord la valeur de la chose. Le marché de gardiens. Mais au moment où le vol se passe de l'autre côté du marché, de l'avenue là-bas. Mais ici, c'est vide. Au moment où les deux sont ici, là-bas, c'est vide. Au moment où ils sont là-bas, ici, c'est vide. Et automatiquement, les voleurs, eux, ils font l'étude du milieu. Ils les étudient, ils voient les mouvements des gardiens et ils font ce qu'ils peuvent faire. Non, là, c'est impossible. C'est un grand marché. Au niveau des Dolizy, il faut placer au moins plus de 12. Plus de 12. Parce que nous savons, notre pays, il y a l'insécurité. Quand on parle des bébés noirs, bon, deux gardiens. Les bébés noirs, ils sont des groupes. Ils peuvent venir agresser deux gardiens. Bon, ils ont quelle force? Il n'y a pas la possibilité avec deux gardiens. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller. Donc, ils ont quel outil de défense aussi? Voilà, il y a un problème d'outil aussi. S'il n'y a pas un outillage de sécurité, eh ben, la personne elle-même, vous êtes là, même si vous êtes un bidoka, vous ne pouvez pas combattre 10, 20 personnes. Donc il faudrait qu'on leur donne les outils de travail et équiper aussi ces gardiens-là. Quand j'entends dire qu'il y a deux gardiens seulement, et du coup, s'ils sont de ce côté, les voleurs peuvent rentrer de l'autre côté. Et du coup, ils ne peuvent pas opérer les miracles. Ils ne sont pas des magiciens, ils ne sont pas des Jésus. Parce que Jésus qui connaissait tout, qui voyait tout. Je demande aux autorités qu'ils renforcent ces gardiens-là, qu'ils les recrutent. Il y a des jeunes chômeurs. S'ils peuvent recruter d'autres jeunes pour renforcer les premiers qui sont dans le marché, il y aura la sécurité à Dolizy. Mais s'ils ne renforcent pas ces deux gardiens-là, ça va toujours continuer. Le marché est devenu un dépotoir des excréments à tout bout du champ. Na papa Gislain Gimimakoso, maire Yamoko.
biso tozo senga kaka na papa abongisa makamba zando oyo bato bazana se azongisa bango likolo puke zando oyo papa mokonzi atongaki yango mpona bato bateka na kati alobi sufosi libanda te bato bazala me bato bazoboya lisusu zando mabima libanda azongisa bango tu na kati biso tutovanda basalaki zando mpona bato bavanda na kati se mpo bato bavanda na libanda te azongisa bato na kati ni wana ekosala biso esenga pipi avec le kaka parfois moi même on m'a ziflé ici à cause de pipi. Pourquoi? Parce que j'avais dit qu'il ne faut pas pisser là. Il retourne vers moi et me gifle. Bon, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Et vous êtes allé vous plaindre? Mais je ne peux pas aller me plaindre parce qu'ici, il n'y a personne. De un. De deux, je ne peux pas laisser mes choses pour aller à la police. Je trouve encore on m'a volé, je vois que c'est une perte. Donc je préfère de la laisser partir. Vous courez le risque de tomber malade comme ça? Bon, avec les odeurs on va faire, la bande. On va faire comme un papa. Il n'y a pas là une autre solution qu'on peut faire pour que ça aille. On n'a qu'à de plaindre, lui qu'on voit, on lui dit, pour que le marché se tient. Même le directeur de SNE, il était venu là. Bon, je l'avais causé de ces choses. Je dis, ah, le marché, on met le pipi partout. Peut-être que vous aussi, si vous pouvez dire un peu de cela. Bon, c'est là maintenant, lui aussi, il dit il est allé voir, il y a de telles personnes et telles personnes. Bon, parfois, ils ont venu encore filmer le marché. Bon, dans ce cas, après encore, c'est continué encore. Alors, votre appel à l'endroit de l'autorité municipale? Bon, moi, mon appel, c'est de soutenir d'abord le marché, d'appeler tout le monde de venir dans le marché pour que le marché aille. S'il y a les gens, on ne peut pas faire il y a des choses. Si tu vois qu'on fait le caca, on fait le pipi dans le domaine, c'est parce qu'il n'y a personne. Mais le marché est sécurisé, non? Oui, le marché est sécurisé. Mais le marché, le sécurisé de marché, c'est comme ça n'a pas sécurisé. Parce qu'un quelqu'un qui est assis là-bas et que lui qui pisse là, est-ce que ça c'est sécurisé? Bon, on ne peut pas vous dire que ça n'a pas sécurisé comme ils sont là. Donc la sécurité n'est pas totale. La sécurité n'est pas totale? Non, la sécurité n'est pas totale. Est-ce qu'il y a suffisamment d'agents de sécurité? Bon, avant, il y avait beaucoup de gens. Mais pour le moment, il y a seulement deux personnes que moi je vois, ils sont en train de tourner dans le marché. Bon, le marché aussi est grand au niveau de cette personne. Le marché est grand, parfois il est en bas. Bon, lui qui fait pipi en haut, est-ce que lui il peut gérer ça? Non. Bon, parfois il est en haut, lui qui fait pipi en bas, est-ce qu'il peut gérer ça? Donc c'est de renforcer des éléments qui peuvent venir soutenir le marché et que de chasser tout le monde qui n'ont pas de boutique de venir vendre dans cette marché pour qu'on voit les gens, il y a des choses, on va avoir peur de faire ça. Pensez-vous qu'il faut déguerpir ceux qui ont occupé le domaine public dehors? Bon, avant il y avait les gens tout là, il n'y avait pas les pipis. Parce que moi, je te dis, non, depuis 2012, je suis là. Ça fait 9 ans maintenant. Est-ce qu'il faut enlever, faire rentrer ceux qui sont dehors? Mais oui, il faut les rentrer. Parce que c'est eux aussi qui vont faire que, il y a des gens, quand ils viennent faire, il y a des conneries, comme ils voient les gens, ils avoir peur de les faire. Mais si maintenant, il n'y a personne, toi, tu montes, tu veux faire le pipi, tu vas faire. De l'insalubrité, vraiment incalculable. Les matières fécales, de la saleté dans tous les couloirs. Et il y a une odeur nauséabonde qui, au fait, ne permet pas à l'humain de humer ça tous les jours. Et ça rend malade. Ça peut même provoquer la COVID en question. Vous êtes conscient? Je suis conscient. J'en suis conscient parce que nous vivons ça. Mais cela doit émaner du chef du marché. Le maire est loin. Il a nommé des gens. Ce sont ces gens-là qui sont les principaux animateurs de la bonne vie du marché. Mais lorsqu'ils ne le font pas, le maire est loin. Le comité du marché ayant pris des initiatives inhérentes à la réintégration des vendeurs à l'intérieur du marché sont souvent confrontés au retour immédiat de ces vendeurs au niveau des avenues qui juxtaposent le marché. Papa, c'est bête que Ngolo. Na minute yai. Zandu que diave. Zandu que diave. Zandu vuanda bête nyoske na kati. Babim ke marché. Mawa depuis zandu kumana ngandu. Zandu me kumukana ngandu. Bête kwa kukwenda kana 1000 francs, 2000. Singa taxi 10 000 na journée. Ge metal nzandu. La responsabilité liée au bon fonctionnement de ce marché moderne est la tâche de la mairie de Dolisie pour faire des mains et des pieds afin que l'ordre soit établi. Je ne sais pas si la population qui veut vendre à même le sol, les femmes surtout, est-ce que
c'est la faute de la mairie ou c'est la faute de ces vendeuses qui vendent par sol. Ça, c'est un point capital. Mais non, à bien voir les femmes ou les hommes qui veulent vendre à même le sol, bon, ce n'est pas demandé. Ce n'est pas la mairie qui leur a autorisé. Car en fait, le grand bâtiment a été travaillé, perfectionné pour les vendeurs des aliments alimentaires, toutes sortes d'aliments. Mais ce n'est pas à vous et moi qui pouvons peut-être donner le mot d'ordre à ces gens qui ne veulent pas obtempérer la loi de l'État. Mais c'est à lui-même le maire de venir installer l'ordre public. À bien voir les choses, si la mairie devait surveiller et mettre encore comme avant la police à l'appui, et ils ne devraient plus vendre ici. Avant, c'était ça. On ne voyait pas les gens vendre à même le sol. La largesse des dirigeants de ce marché est constatée et les défaillances sont nombreuses. Un atout négligent sur toute la ligne, ce qui cause cette situation de non-gérance de ce marché par les ayants droit. Les institutions valent leurs animateurs. Le comité du marché, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a comme une petite largesse. Qu'en est-il des occupants ou vendeurs ayant déserté leur étal pour être en première ligne des clients, vu que d'autres vendeurs manquent des étals et occupent l'extérieur du marché? Aussi, ce marché accuse un déficit criard d'éclairage à tous les niveaux, où de nombreuses ampoules sont grillées et qui sont rarement remplacées par les services habilités de la municipalité de la capitale de l'Orvert. En somme, la crise financière qui sévit au grand marché de Dolisy aurait pu faire réfléchir les autorités à rentabiliser ce secteur à bon escient. Ce désordre qui est organisé occasionne la grogne et la contestation des contribuables, mettant en partie mal à la mobilisation des ressources locales qui renforcerait la dotation générale pour résoudre les problèmes de la communauté. À vrai dire, t'as comme un mal vu. Rappeur talentueux, n'a qu'à Tiambo qui a pas de belle vie. Que se passe-t-il dans ce bled? C'est la poisse ou quoi? Laissez-moi libérer mon gospel avant et pas sous cas. Tu veux le buzz? Attends, vas-y, tente ta chance. En attendant que tu te retrouves dans le trou de Satan. Ok, ok, banamère, aide-toi la mouka. Nous voulons tous le développement et non, bande coup fort. 242 matières, il est béni. Pétrole, forêt, à vrai dire, c'est la terre promise. Je demande à tout seul ouverture ou bien un papy sous le chemin d'avenir. Nous concerne tous, soyons unis. Maman t'inquiète pas, ton fils n'aura pas de bêtises. Je fais la fierté de mon bled, lui demande à Maudi. Je passe le message au père, aux mères et aux fils. Je rappe aux français qui tout bat le lingala aussi. Andy, tu continues ainsi, on te garantit la mort, je réponds. Une fois déjà, je dis ce que je vois, je chante ce que je vis en fait. Sans ça, la diaspora ne saura jamais ce qui se passe sans ce putain de bled.